Salut, c'est Anthony du groupe LIS. Bienvenue chez Warner. Donc là, nous sommes en mixage et enregistrement en studio avec Steve Hewitt, ancien batteur de Placebo, et Paul Corquette, donc l'ingénieur du son qui nous suit pour le mixage. Le batteur. It's been going fantastically well, actually. It's my probably my first time in the seat as sort of chief producer and mixer for somebody else's music. So it's been going really well. It's been hard work because we have issues with translating files from one format to another. So it's been taking a bit of time, but generally the results have been magic. Everything. They're very warm people, lovely people, very talented musicians. I think they're becoming one of the most important bands, rock bands in France. And it's nice to be involved and sort of help them on their way. Am I allowed to swear? Fuck yeah. they have all the elements, you know. I think the great thing about them is that they don't sound essentially French anyway. I think that there's a universal appeal to their music. Ça se passe très bien. Déjà, c'est un petit rêve, un honneur de bosser avec ces gens-là, Steve Hewitt et Paul Corquette, donc. Qui sont des références pour moi. Et j'étais un grand fan de l'époque de Steve dans Placebo. Et donc du coup, bah, ça se passe très bien parce que ça va super vite. Il y a des bonnes idées d'arrangement qu'on n'avait pas avant. Steve apporte comme des... Étant donné qu'il était compositeur dans Placebo et arrangeur, donc c'est vrai que ça apporte vraiment des... Ça booste en fait. Ça booste le son, ça booste la dynamique du morceau. Et puis Paul Corquette, au niveau du son, quoi, c'est juste une pointure, quoi. Donc non, ça se passe bien. J'étais très impatient de bosser avec eux parce que ça fait longtemps qu'on en parlait de ça, et ça a mis à peu près un an à se concrétiser. Donc j'ai eu le temps de digérer un petit peu la chose parce que voilà, il avait voulu travailler avec nous. Il voulait travailler avec nous depuis Steve Hewitt voulait travailler avec nous il y a un an déjà en studio, mais ça a mis du temps pour X raisons. Et voilà, donc finalement, pas d'appréhension, mais surtout très heureux. Je l'ai rencontré, déjà ça faisait quelques temps que je l'avais contacté via son Facebook, et il avait écouté sur MySpace les morceaux, ça lui avait plu. J'avais envoyé un CD ensuite, parce que voilà, il voulait un CD. Et après ça, il nous a vus en concert à Londres. Et puis bah, petit à petit, il nous invite aux premières parties à Paris, à Flèche d'Or au mois d'octobre dernier. Et puis voilà, de fil en aiguille, on l'a suivi sur sa tournée européenne. À Londres, à Berlin, etc. Et donc du coup voilà, c'est devenu presque un... Enfin, on se considère comme des amis maintenant. Quoi. Paul est un très bon ami de Steve, parce qu'il a produit des albums de Placebo et Black Market Music, et également d'autres groupes comme The Cure. Et donc du coup, bah, c'est un ami à lui, et il fait aussi son son en concert. Et il se trouve que quand on faisait les premières parties de Steve, c'était Paul Corquette qui faisait notre son en live, et ça lui a plu, et du coup, ça s'est goupillé comme ça. On a besoin d'être dirigé, voilà, je dirais ça, d'être dirigé. Et donc du coup, bah, quand tu fais du rock anglais, il n'y a rien de mieux, je pense, que dirigé par des mecs comme Paul Corquette et Steve Hewitt.